بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كالله سبحانه وتعالى في جنود سورة 3 سورة عمران شافريسير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Certainement de création dans les cieux et la terre, certainement de changement qui est né entre la nuit et les jours, et né ban signe pour ban doué d'intelligence. Alladhina yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal-ard. C'est ban qui peut réfléchir la création Allah subhanahu wa ta'ala, la création les ciels et la terre. Ça pour zot pour dire Rabbana ma khalaqta hadha batila. Zot dire oh nous Rabb, tu pas fin créer tout ça là par hasard. Oui chers frères et sœurs, dans la création qui Allah subhanahu wa ta'ala fin amener, et n'a pas de signe, et n'a pas de preuve, et n'a l'unicité Allah subhanahu wa ta'ala qui amène sa croyant là à réfléchir. C'est ça qu'il dit à nous dans Surah Naml, Sunna Khalq Allah. Ça c'est le principe création Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi atqana kulla shay. C'est lui qui fait créer toute chose à la perfection. Sa bonne création là, Allah subhanahu wa ta'ala fin amène à la perfection. Quand nous guettons, nous trouvons, nous, chers frères et sœurs, loin de l'île. Ce n'est pas un hasard qui Allah subhanahu wa ta'ala fin amène nous là. Qui fait, parce qu'il le fait qu'il m'a loin de l'île, m'a alentour de un de ban plus grand signe Allah subhanahu wa ta'ala, ça qui nous appelle la mer. Le fait qu'il m'a loin de l'île, m'a un de ban alentour plus grand signe Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fin amène l'eau la création. Oui, chers frères et sœurs, pour sa personne qui n'a iman, quand il prend le Coran, il commence, alhamdulillah, comment il rentre dans Surah Al-Baqara, il trouve Allah subhanahu wa ta'ala commence cause concernant la mer, il continue même y aller jusqu'à arriver dans Surah Takwir, dans le dernier sipara, dans le dernier juz, Rabbul Alamin a copé cause concernant sa créature-là. Une créature, chers frères et sœurs, qui Allah subhanahu wa ta'ala cite plus que 40 fois dans ce livre, afin qu'il s'accroyant là à chaque fois quand il passe le lit, qu'il y soit en tant qu'il le nom Al-Bahr, ou soit Allah subhanahu wa ta'ala amène-le au duel Al-Bahran, ou bien au pluriel Al-Abhur,
Allah subhanahu wa ta'ala amène de plusieurs façons. Afin que sa croyant là, quand il peut passer le là, ça amène à réfléchir. Et une création qui alentour de moi, qui au fait Allah subhanahu wa ta'ala pas fin amène, pas hasard. La meilleure chère frère et sœur, Allah subhanahu wa ta'ala fin appelé aussi par Al-Yam. Et à travers ça, li Allah subhanahu wa ta'ala fin fait beaucoup parmi ce bon prophète dans le passé. Passe à travers ça cette chose là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans surah Qasas, fa'alqihi fil yam, et jette-li dans la mer. Lila c'est qui ça n'a? Lila c'est qui ça n'a? Fa'auhayna ila ummi Musa an ardui'i, fa'idha khiftir alayhi, fa'alqihi fil yam. Et nous fin descend wahi le mama Musa qui donne la nourriture. Mais si tu peux pire, jette-li dans la mer. Jette-li dans la mer. Allah subhanahu wa ta'ala de toute sa place qui est dans la chef presseur pour lui sauver Moussa alayhi salam à travers qui était? À travers la mer. L'histoire montre nous, chef presseur, qui ban prophète avant, à l'exemple de Younous alayhi salam, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit de surah Sad, wa inna Younous ala min al mursalin, id abaqal bahra, id abaqal fulka. Et Younous certainement lui dit parmi ban messager. Et quand il fin monte le bateau, nous connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire qui Allah subhanahu wa ta'ala de faire arrive en situation qui bana zetli kote ça. Bana fin bizan zetli dans la mer. Et pareil comme ça même, chers frères et sœurs. Et pareil comme ça même, si nous retournons vers nous, alayhi salam. Nous retournons vers nous, alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala donne l'îlode, wasnar il fulka bi aryuina wa wahyina, et arrange sa bateau là, et arrange sa bateau là, pas l'autre qui nous peut donner toi, nous peut guette toi, et pas wahi, inspiration qui nous peut donner toi, ou nous, arrange sa bateau là. Résultat qui finit arriver, chers frères, excepté c'est lui qui t'y donne sa bateau là, qui finit gagne pour sa paix. Chers frères et sœurs, si la mer fin vint de sa façon là avec ban les autres prophètes avant, sans aucun doute, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour na ce mot à dire. Quand sa prophète là peut dire, awwalu ma yurza fil bahr awjab, c'est lui premier de mon umma qui pour la guerre l'eau la mer fin vint obligatoire pour lui. Qui fin vint obligatoire pour lui? Jannah fin vint obligatoire pour lui. Depuis ce hadith, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous al-ghazwa, al-jihad, la guerre, premier jihad qui peut aller la mer. Ce n'est pas une chose contemporain ça. Nous trouvons que c'est comment la guerre peut servir bateau. Non, ça prophète qui dans son époque, quand tu es dans la guerre, tu peux la guerre au désir, il dit de mon humain, premier qui pour la guerre la mer, certainement Jannah invin obligatoire pour lui. De hadith qui trouve dans Sahih Bukhari, pareil comme ça même, de hadith qui trouve dans Abu Daoud, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit Al-Ghazwu fil Bahr. La guerre dans la mer, afdalu min al ghazwi fil bar, li meilleur qui la guerre l'eau la mer, l'eau la terre, birashri marad, pour 10 fois. La guerre qui ban croyant, la guerre l'eau la mer, 10 fois li meilleur qui en la guerre qui prend place, l'eau la terre. Ça pour montrer nous, chers frères et sœurs, qui oui, nous capables de trouver une petite chose qui existe, nous contente, nous allons nous passer le temps, mais nous nous disons au fait que Allah subhanahu wa ta'ala finamène sa création là, afin qu'il sa croyant là, il ne prend pas, comme on dit, une création qui Allah subhanahu wa ta'ala indique s'amener pour te tirer plaisir, pour te gagner satisfaction. Non, il n'y a pas de signe à travers ça. Qui est le signe, chers frères et sœurs, que nous guettons le Coran? Que nous guettons le Coran de façon que Rabbul Alamin le cite salamé là. Qui Allah subhanahu wa ta'ala qui finit choisir nous azodi, nous passe avec la mer, ça pas fait aucun effet le moi. Qui Allah subhanahu wa ta'ala dit à moi dans surah 5, surah Al-Ma'ida, Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, mata'an lakum walis sayyara, fin fait halal pour eux la pêche. La pêche. Rabbul Alamin peut préciser, fin fait halal pour nous la pêche, afin que sa poisson qui nous gagne là, li vinen matin an lakum walis sayyara, li vinen façon qui t'es capable de manger, t'es capable de consommer et même pour ben voyager. Quand nous guettons salamé là, Allah subhanahu wa ta'ala finamène comme un profit pour nous, chers frères. Finamène comme un profit pour nous. Comme lui-même lui dit nous dans l'autre place de ce livre, qu'il y fin fait salamé là afin qu'il nous gagne ben la chair fraîche, l'ahman tariyan, afin qu'il nous gagne ben la viande fraîche, li préfère à poisson. Chers frères et sœurs, quand nous guettons la mer, qu'on est à travers ça, Allah subhanahu wa ta'ala fin honore nous.
Kuma lidianu da surah 17 surah Isra ayat 70 walaqad karramna bani adam wa hamalnahu fil bahri wal bahr. Certainement nous fin nos enfants Adam qui ono to fin de nous ou Allah wa hamalnahu fil bahri wal bahr. Nous soyez autres l'eau la terre et l'eau la mer. C'est une de bonne façon qui Allah peut ono nous chers frères. Si aujourd'hui je suis capable de trouver un transport, je suis capable à faute, ou bien je suis déjà passe par un de bons moyens de transport qui est dans l'eau, la mer, chef frère, ce n'est pas pour plaisir ça, mais seulement Rabbul Alamin qui finit où il finit où au nom à travers ça, cette chose-là. La mer, chef frère, c'est quand nous guettons que Allah subhanahu wa ta'ala qui finit à mener. Dans l'histoire de Nuh alayhi salam, dans surah Hud, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne pour arranger ce bateau-là, kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhirou min. À chaque fois qu'il y a quelqu'un passe à côté de lui, je te fais bouffon avec lui. Nuh alayhi salam puis arrange un bateau. Bana fait bouffon avec lui. Chef frère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Qamar. Dans surah Qamar, quand il définit comment il fait, comment il fait ouvrir sa l'échelle-là. Fafatahna abwaab as-sama'in bima'in muhamir, wa fajjalna al-arda uyunan faltaqalma. Et Allah subhanahu wa ta'ala ouvrir sa l'échelle-là, il fait sa déloula descendre. Il ouvre sa la terre-là, il fait sa déloula sortir. Qui fait? Il fait sa lemona comblé complètement avec sa déloula. Li comblé ça le monde a complètement. En d'autres mots, chers frères et sœurs, la mer c'est une de bonne façon qui Allah subhanahu wa ta'ala punit un peuple. Une de bonne façon qui Allah subhanahu wa ta'ala punit un peuple, c'est à travers la mer. Aujourd'hui, quand nous peut dire ça, un qui est capable de penser, ben oui, ça même un tsunami. Mais si je pense comme ça, connais mon fin saute une étape. Qui étape? Mon saute hadith qui trouve dans Mousnad Ahmad, rapporté par Omar ibn Khattab radiallahu an, quand il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dit, pina en la nuit qui passait, excepté qu'il la mer dire, la mer, lui dire, oh Allah, laisse-moi envahir ban qui peut désobéir à toi. Faya kufuhullahu anhu. Allah dit, non, pas fait ça. Chers frères et sœurs, hadith que trouve dans Mousnad Ahmad, rapporté par Omar ibn al-Khattab radiallahu an, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pena en la nuit qui passait, excepté la mère dit, oh Allah, laisse-moi combler les autres ban qui peut désobéir à toi là. Allah subhanahu wa ta'ala jeli atan. Qui la nuit qui ne passe, qui ne fait pas sa demande. Aujourd'hui, je me trouve tsunami drôle. Aujourd'hui, je trouve la mer peut monter drôle. Mais non, chers frères et sœurs. C'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui vient. Rahmatan lil alamin, une pitié pour toute l'humanité qui ne dit pas fin laisse non, excepté les financer nous, parmi les petites choses qui les financer nous concernant sa mer là. C'est qui désobéissance en djimoun, fatigue sa mer là. Fatigue sa mer là. Vous connaissez qui plus drôle là-dedans? Quand plus grande désobéissance déroule devant l'Iastir. Quand on vous trouve, moi, je prends ma famille, nous allons désobéir à Allah comme ça. Devant la mer, nous avons connu que tous les la nuit, il y a du mal à Allah ça. Mais qui peut arriver moi à l'os? Mais qui peut arriver moi? Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala fin service à la mer là. Comme Ali fait nous connaître dans Surah Shuara, falamma altaqal jam'ani, qala ashabu Musa, inna la mughraqoun. Quand nous finissons, ça déplace là, veut dire la mer et Pharaon pas de hier. Ben, peuple de Moussa dit certainement nous finis. Moussa alayhi salam dit qu'Allah, inna maria rabbi se yahdin. Allah subhanahu, Moussa alayhi salam dit non. Certainement mon robe avec moi, l'ipou guide-moi. Et nous connaissons l'histoire qui la mer fin ouvert. La mer fin ouvert, mais c'est moi qui passe après, chers frères. Ça qui passe après, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala service à la mer là pour finir plus grand tyran qui fin ena, l'eau salatée là. Chers frères et sœurs, quand nous guettons la mer, Allah subhanahu wa ta'ala fin amène une de bonne façon qui un croyant réfléchit. Quand lui-même lui dit à nous, est-ce qu'ils n'ont pas guetté ce bateau-là, l'eau, la mer, qui s'en appétit ce bateau-là, l'eau, la mer. Chers frères et sœurs, vous prenez un conteneur, vous posez comme ça, il coule. Un conteneur. Vous posez l'eau de l'eau, il coule. Bébé dit, ou un bateau-conteneur, qui a été plus si besoin de couler, lui. Mais lui, il n'est pas coulé. Moi, je trouve ça normal même. Moi, quand je trouve ça normal, comme la case mauvaise sur la 31 sur la Luqman, comme je guette Allah subhanahu wa ta'ala, comment je cause avec moi, concernant sa lamée là, avec sa bateau là. Oh Allah, mais qui quand tu réfléchi, il n'a pas pour réfléchir là-dedans. Quand tu réfléchi, il n'a pas pour réfléchir là-dedans. Comment il dit à moi dans sur la 42, sur la Ashura,
wa min ayatihi. Et parmi ce ban signe, li fait sa ban bateau là aller comme dire ban montagne. Li fait sa ban bateau là aller dans sura 42 sura Shura. Allah subhanahu wa ta'ala dit li fait sa ban bateau là aller comme dire ban montagne. Ve dire amen plus grand bateau qui te oulé. Allah subhanahu wa ta'ala capable tini li. Allah subhanahu wa ta'ala qui tini li. Par quoi la compli ti bateau ou bien plus gros bateau. C'est Rabbul Alamin qui pour tini li. Li continue dans même sura li dit si li Allah subhanahu wa ta'ala li oulé, li arrête divan et li fait sa bateau là reste en place. Li fait sa bateau là reste en place. Chers frères et sœurs, moi comme moi potent qui tire mon dire. Veut dire 18 jours li prend venir ça. Si ma mère m'a dit quitte pour là-bas 18 jours working days, il faut finir rentrer. Mauvais calcul qui moi ou bien capitaine n'a qu'à faire ça bateau la morcer. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait l'immorcer. Dans sura 42, il précise lui. Si lui voulait, il fait ça bateau la rise en place sur la mer. Moi qu'on peut guetter même. Moi qu'on peut trouver bateau une chose normale. Ou bien il peut bizin. Allah subhanahu wa ta'ala. La mer, chers frères et sœurs, c'est ça même qui Allah subhanahu wa ta'ala fin servi dans sura 18, sura Kahaf. Ou dans sura 31, sura Luqman, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Law kana al-bahru midadan li kalimatu rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bi mithlihi madada. Si tu prends la mer, tu prends la mer pour te commencer à écrire parole de Rabb, la mer finit, mais parole Allah continue à rester. Qui fait Allah fin prendre l'exemple la mer ici? Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin prendre l'exemple la mer? Dans toute bonne création qui n'a fait pas tu prends l'échelle. Pareil comme ça même dans sura Luqman, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire et si tu prends sa ban shajara là, sa ban pied là aqlamun wal bahru yamudduhu bi sab'ati abhur et tu prends sa lame là sept fois, tu prends sept lames. Parole Allah resté, lame est finie. Qui fait chef presseur parce que c'est une de bonne créature qui devant nous nous trouve lui beaucoup. Nous trouvons beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala amène nous à réfléchir. Veux dire, si tu prends sa lame là, comme ma langue, tu prends sa plume là, tu prends sa pied là, comme ma plume, tu écris même, même ta lame est finie. Tu ajoutes encore cette lame là, Allah subhanahu wa ta'ala, ce parole, pas pour finir. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, de sa sagesse sans limite, s'il finit créer nous dans une place que au fait nous trouve la mer alentour de nous, et là, quand nous trouvons une situation, un moment, venir nous pour essayer d'amener nos familles à une bonne place pareille, afin qu'ils passent pour nous gagner satisfaction, qu'ils nous gagnent droit, mais seulement aussi que nous payons de la mer là, connaît Allah subhanahu wa ta'ala ou Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin servili comme l'exemple de sa dîne, fin servili comme l'exemple, et parmi ban l'exemple qui mentionné, chers frères et sœurs, c'est action de un non-musulman. Action de un non-musulman. Parfois, il y a des gens, la cause, ça, ce collègue travaille, c'est un bon dimoun, ça. C'est mal, il y a ça, Allah, pour vous inquiéter. Nous, avec Allah, mais il y a quantité de bonnes actions, il est capable de faire. Chers frères et sœurs, comme on l'a dit, je suis dans sura 24, ayat 39, que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sura Nour, il y a concernant sa kafir, là, ce bonne action, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, il y a un mirage. Li kouma dit un mirage. Qui fait? Kouma li arrive prêt avec lui, li pas trouve? Li pas trouve non ni. Existe après Allah subhanahu wa ta'ala qui dit au kadhulumat fil bahr. Ou bien kouma noyauté qui est nadant dans la mer. Kouma noyauté qui est nadant dans la mer. Allah subhanahu wa ta'ala amène l'exemple un non musulman sur ban action, chers frères et sœurs. Kouma de perdition, li de perdition. Allah subhanahu wa ta'ala amène l'exemple en ténèbre. Ve dire, met li en kitcho ki ou finante en djimoun kouma de ban non musulman servi. Ou prend ça ou met li dans fond la mer. Ou amin fawqihi mawj. En a vague l'eau là. En a vague l'eau là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit sahab. Et en a nias ki couvert li. Et n'est nias qui couvert lui. Li contient les dire. Et si tu essayes de te la mer, tu n'as pas pour trouver lui. Dans la mer, quand un démon est de fond, la mer, chers frères et sœurs, jusqu'à ce que la mer met devant lui, il n'a pas trouvé. Allah subhanahu wa ta'ala cite ça l'exemple.
Li fin cite l'exemple, la mer, afin qu'il sa croyant là, et même sa non croyant là, li al comprend, qui valait Allah subhanahu wa ta'ala fin donné qu'on fin choisi li pour une iman, qui demain quand tu peux faire bonne action, par quoi li perd dans vide, comment sa non musulman là? Sa non musulman là, quand c'était bonne action li capable de faire, Allah subhanahu wa ta'ala fin comprend li, comment sa noté qui est dans la mer là. Oui, chers frères et sœurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, amène nous à réfléchir au salamier là pour lui dire un parmi eux lui prend une pin lui met dans la mer et lui tire lui prend une pin lui met dans la mer et lui tire quantité de l'eau qui reste dans sa pin là c'est sa dunya ça qui restait à akhirat sa quantité de l'eau qui reste dans sa pin là c'est sa dunya salamier là akhirat mais pour qui m'ont la guerre à l'os pour qui m'ont travail qui m'a perdu à l'os? M'a perdu une goutte de l'eau qui reste dans une pine. M'a quitté la mer. M'a quitté la mer, chers frères. Guette l'exemple qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin amené. Et pareil comme ça, même chers frères et sœurs, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, man asbaha minkum, celui qui dans le matin lui dit, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, mi'at marra, lui récite ça 100 fois par jour. Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu min zambi, tout ce ban péché, pardonné, wa in kana mithlu zabadul bahra, même si ce ban péché comme a dit l'ekim la mer même si ban péché qu'il y fin faire li comme a dit l'ekim la mer me connais qu'a appelé l'ekim la mer chef frère qui calte valer sa des phrases là et nalos même mon ban péché quantité l'ekim la mer mais seulement si ndi moun li dit sa des phrases là 100 fois par jour rabbul alamin pardonne tout ce ban péché mais qui l'exemple fin servi sa la mer là fin service à la mer là pour ça croyant là il comprend ben la mer c'est pas une créature juste de ça moi le fait les tout là-bas ça c'est une créature qui Allah subhanahu wa ta'ala fin amené afin qu'il me réfléchir oui chers frères sœurs parce qu'il dans sur la tour quand Allah subhanahu wa ta'ala peut faire serment le montagne il peut faire serment le Baitul Marmour ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit wal bahr al masjur et ça la mer là quand il commence bruit inna azab rabbika lawaqi kone pinichon to rab pou vini Allah subhanahu wa ta'ala fait serment le six qui chose le sixième li fait serment le qui était li fait serment le salami la chef li fait serment le salami la afin qui sa croyant la kone qui jour qiyama pour approcher ou bien de sourate takwir dernière place qui mentionne la mer de Quran Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idhal bihar sujirat et quand ça la mer là il commence monter veut dire parmi ban signe qui peut faire nous jour qiyama puis approcher chers frères sœurs excepté comme le prophète sallallahu alayhi excepté comme Allah subhanahu wa ta'ala dit nous pas juste pour l'échelle pas juste pour montagne pas juste pour la terre mais aussi ça la mer qui nous trouve devant nous là excepté qui Allah subhanahu wa ta'ala pour faire les commences bruit ensuite pour envahir ça le monde là barakallahu li wa lakum fil qur'an wa nafa'ani wa iyyakum min al ayati wa dhikri al hakim aqulu ma tasma'un mufindia sa kizo fintande wa astaghfirullah li wa lakum deman allah subhanahu wa ta'ala pour moi et pour eux wa li sa'iril mu'minin et pour tout ban croyant fastaghfiruhu deman ni pardon innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد قبوتي أبو هريرة رضي الله عنه لجيء جاء رجل il an nabi sallallahu alayhi wa sallam en personne fin vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit ya rasoul allah ô messager d'allah certainement nous faire voyage le bateau wa inna nahmilu al ma nous soyez de l'eau intada wa biha si nous faire wazu avec ça de là ratochna nous pour gain soif
Sa kontise de lo ki nou amene la, ya Rasulallah, de bateau avec nous, si nous faisons oiseau avec lui, ben nous prenons soif li devant. Et si nous boire li, nous va prendre de l'eau pour faire oiseau. De là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, huwa tahur, at-tahur, ma'uhu, al-hillu maitatu. C'est un de l'eau propre. Et tout ça qui est là-dedans, li, al-hill, li halal. Ce hadith là, il trouve dans 4 sunan. Veja sunan Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasai et Ibn Majah. C'est un hadith, sahih, chers frères et sœurs, qui fait à partir de ce hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous une de bonnes actions qui nous habitent à trouver. Nous ne faisons pas. Mais seulement, moi, je connais qui au fait, c'est pas par routine. C'est pas par mon trouve mon grand-parent faire ça, la cause moi faire ça. C'est par parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, ou at-tahur. Qui veut dire at-tahur? At-tahur veut dire une petite chose qui dans lui-même est propre, et est propre pour faire les autres vins propres. C'est ça at-tahur. At-tahur, c'est une petite chose qui est propre lui-même. Ensuite, ou capable de servir pour faire une autre chose vin propre. Les différents avec Tahir. Tahir, c'est une chose qui est propre, mais seulement ou pas capable de servir pour faire une autre vin propre. Nous prenons l'exemple. Zizorance, dit propre, il va propre. Dit propre. Mais seulement, est-ce qu'il est capable de servir pour laver l'achète? Moi, je peux servir pour laver l'achète. Mais quand on dit que dès le robinet, il est propre, oui, non. Je suis capable de servir pour nettoyer une autre chose, oui, non. Pareil comme ça, même dès le la mer, cher frère. C'est pour ça qu'on a la mer, nous lavons le temps de la mer. Qui fait? Parce que pas moi, pas mes parents, pas tous les temps comme on a dans la sortie pique-nique dans ma drassa, mais tout coup de banane lave c'est quand on finit manger dans la mer. Pas la cause de ça. La cause mon prophète indique, huwa tahur, veut dire c'est un de l'eau propre dans lui-même, ou capable de faire oiseau avec lui, quelle que soit la situation. Qui nous peut redire pour quelle que soit la situation? Chers frères et sœurs, avec tout respect qui nous est là, l'exemple là, dis-moi la mer à l'intervalle là, combien il y a combien là? Combien peut faire toilette dans la mer là? Est-ce qu'il a de l'eau la mer une sale seulement? Jamais il vient sale. Get merveille qui est là-dedans. Banna des centaines, un seul musulman, est-ce qu'il est capable de servir ça de l'eau, faire oiseau ou non? Qui fait? Parce que mon prophète, il dit à moi ça de l'eau propre. Est-ce qu'il est capable de servir ça de l'eau pour me nettoyer, me banner quelque chose? Oui, cher frère, c'est pour ça qu'il nous fait oiseau avec lui. C'est pour ça, si demain arrive un dimon qui a fait roussel, il est capable de servir de l'eau la mer pour lui faire roussel. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam contient, il dit, al-hillu maitatu. Et tout bonne petite chose qui est là-dedans, il vient halal. Avec tout le respect qui nous est là, pour ban l'école des pensées, qui pensait qu'au fait, ban quelque chose qui est là dans la mer, apporte poisson, les restes tout pas gagner droit. Mais nous, chers frères et sœurs, basant le hadith là, il est clair que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire tout ban quelque chose qui meurt dans la mer, en d'autres mots, tout ban qui vivent dans la mer. Tout bonne créature qui vivent dans la mer, et nous gagnons autres, nous tuons autres dans les puits de la mer, qu'il y soit poisson ou bien les autres qui sont qui nous capables de penser, sans ou bien, mais ça gagne droit, mais ça gagne droit, mais il ne trouve pas trouver dans la mer. Le fait qu'il trouve dans la mer, qui n'est arrivé. Al-Hillu Maitatu, et connaît qui tout ça qui meurt là-dedans, excepté qu'il est halal. Loin de là, chers frères et sœurs, loin de là, qu'il est moi safar et n'a relation avec la mer, c'est-à-dire. Le mois Safar, chef frère de hadith qui trouve dans Sahih Bukhari, rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, « La adwa, wa la safar, wa la hamun. » Pena adwa. Adwa c'est quoi? C'est une action qui doit jahiliya bana chipe servi. « Wa la safar. » Safar c'est un malade qui vient de vente. Et non pas de nos jours, et n'a fin comprend, Safar veut dire que vous avez fait Safar à la mer. Quand on apprend ça? Quand on apprend ça? Et là, comment le mois Safar vini, là-dedans, ce qui malheureux, le mois Safar nous écrit pour une sorte. Et Safar veut dire voyage écrit pour un signe. Nous, sorte là qui concerne nous, ça moi là. Mais seulement, il y a le pensée, Safar, signe, veut dire voyage, bizin al la mer. Loin de là, chers frères et sœurs, quand nous guettons nos Coran, quand nous guettons parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu t'es quelque chose et déjà, il y a concernant la mer, pas aujourd'hui une action loin avec sa dina qui nous parle de ça l'importance. Nous disons Allah subhanahu wa ta'ala dua, fais-nous une pomme ban. Oh Allah, que tu peux montrer nous ton ban si alentour de toi, fais-nous trouver lui, fais-lui faire l'effet là nous, afin qu'il savine un de ban moyen qui nous rapproche avec toi. Qui ban action qui te fin dire, ou bien ton prophète fin dire qui attaché avec la mer, porte pardon, ou bien ban les autres bons qui choses, oh Allah, fais-nous un port là-dedans, et ban mauvais qui choses qui est avec la mer, comme ban punition qui l'irode puni ban qui est ban désobéissant, qui nous loin avec lui. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qumu li salatikum.